Si je pouvais donc m'en sacrer. Si je pouvais donc l'oublier. Si je pouvais donc péter tous les maudits miroirs et toutes les maudites vitrines du monde, que je serais donc heureuse. Si je pouvais donc plus jamais me voir, Vera. Ben non. Je peux jamais faire deux pas sans m'apercevoir dans quelques miroirs ou dans quelques vitrines de plus en plus vieilles puis de plus en plus grosses. Ceux qui disent que les gros vieillissent moins vite, là, ben ils doivent être méga en colibois. T'as peut-être moins drite dans le visage, mais t'as des bosses pis des bourrelets partout sur le corps. Pis des nouvelles varices qui te pètent à tous les jours, par exemple. T'as les reins qui te faiblissent pis t'as de la misère à te tenir sur tes deux jambes. T'as beau dire que tu restes jeune de cœur, mais ton corps te laisse tomber bien vite. Puis à quoi ça sert? Hein, voulez-vous me le dire? À quoi ça sert d'avoir un jeune cœur dans un vieux corps? Un vieux gros corps. Moi, mon rêve, ça serait de rester enfermé chez nous, tout seul, devant la télévision. Pas de miroir nulle part dans la maison. Puis manger tant que je voudrais. Toutes les chips que je voudrais manger, puis toutes les Pepsi que je voudrais boire. Mais si je serais tout seul, je serais moins sénère. Puis peut-être que j'aurais moins envie de manger sans arrêter. J'engraisserais peut-être plus, justement. J'engraisse parce que mon mari est là pour me dire que je suis grosse. Puis que ma fille est là pour me dire que je suis grosse. Puis Crémon, mon plus vieux, il est là pour me dire que je suis grosse. Plus ils me le disent, plus je mange. Il y a juste le petit qui me l'a pas dit encore, là, mais ça sera pas long. Quand il va à l'école, là, il va bien s'apercevoir que toutes les mères sont pas toutes détruites comme moi. Ah, puis qu'il me laisse donc manger en paix. C'est tout ce qui me reste dans la vie, Ciboire. Je dis ça, docteur, puis ça fait quasiment 10 ans que je viens vous voir. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ah, oh, c'est vraiment piqueux. Arrête de faire ton mou, là. Aide-toi donc un peu. Si ça continue, maman va arriver en retard chez le docteur. Puis après ça, elle va passer après tout le monde. Puis là, elle va rentrer à la maison à la dernière minute pour aller souper de ton père. Ouais, pousse, pas! Je vais être revenu à temps pour ton souper. Je vous annonce que je me marie. Tu dis rien? Mais faut-tu être courageux pour monter toutes ces marches-là à pied par une chaleur pareille? C'est rien, ça. Je les ai montées à genoux, moi. Au moins, quand vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir sur vos talons pour vous reposer.
20 dans la caisse. T'en vas-tu déposer à la banque, ma bavane? Oh, c'est ça. Ris de moi. Mais tu vas voir qu'un bonjour. Ça va être ton tour. Ben oui, maman. Bye. Bye. Bonjour, ma petite sou. À la prochaine. Ça descend pas vite. Pourquoi t'as pas pris la station Papineau demain? Parce que je suis pressée. Bon, ben, en bas. Non! Ça a quasiment 1 000 de long, cette affaire-là, puis ça prend sans bon sens. On dirait que c'est monté sur des rouleaux à part, de vierge. Mm-hmm. Veux-tu pas courir de même? Cours pas de même, je te dis! Mon petit sacramenta que je te poigne. Arrête de courir, tu vas te tuer! Allez-y, madame, vous avez juste à vous accrocher après la rampe, c'est pas compliqué. Venez-vous donc vos affaires, vous. Tu verras, tant que je t'attrape! Hein? C'est le fun, hein? Attends-moi, je viens te rejoindre en courant. Ah oh, ouais, la grosse, avance. T'as jamais vu ça, un tapis roulant, toi? Mais vous savez que... Maman! Yeah! Lâche-moi, tu vas me faire tomber! Lâche-moi que je te dis! C'est ça! Ride-moi! OK! En es-tu un homme? Je veux aller avec toi! Mais c'est ça! Viens pas! Qu'est-ce qu'une mère peut avoir fait au bon Dieu pour voir un jour ses enfants marcher le même? Petit maudit. T'es tout sale. On n'est même pas encore parti. Tu vas, grosse. 2 pouces de jambe puis de cul sur le trottoir. Check bien ça. Quand elle va se relever, elle va avoir la robe toute pognée dans le crack des fesses. Parce que je suis grosse, tabarnak. Parce que je suis grosse. Ils sont chanceux, ceux qui restent là. Ça leur fait pas loin pour aller gambler. Thank you.
Madame Gadieu! Ah ben, de dos, j'étais pas sûre. C'est votre petit que j'ai reconnu. Vous avez attendu hier soir au bingo. Ah ben oui. Excusez-moi si je peux aller vous rejoindre. C'est parce que Vova nous avait invités à aller jouer aux cartes chez eux avec mon mari. Vous auriez pu m'appeler. Je vais vous dire, ben franchement, j'y ai pas repensé. Je savais que vous étiez pas tout seul. Là. Votre fille était avec vous, puis... Ben voyons, Mme Cadieux, vous allez pas me garder rancœur pour ça. Je peux pas. Qui c'est que je pocherai tout à l'heure quand on va jouer aux cartes en attendant le docteur? J'ai pas pu être là la semaine passée. J'ai eu de la visite de Pachano. Mais moi, t'as voulu dire que j'ai triché mon régime, hein? Oh. La gang était-tu toute là? Ben oui. Il y a Jeanne Manozo qui a recommencé à venir. Imaginez-vous donc. Oh, ben lâchez-moi donc, vous! Je vous le dis! Ah, oh, puis! Ben... Elle sent toujours aussi fort! Oh. Oh, mon Dieu! Retenez-moi, Mme Cadieux, retenez-moi, ça, je vais me garrocher sur l'annonce, puis je vais en dévorer! Écoutez, Paul, Mme Tallier, vous avez le nez collé juste en haut, dans le sous. C'est cette saveur que je cherchais! Mon Dieu! Le petit! Je l'ai oublié dans le métro! Je vais lui faire dire à ma chambre de femme, c'est de plus chercher le petit. Quel petit? Mais celui-là! Pourquoi est-ce qu'elle cherche? Il est là avec vous. Ben, c'est parce qu'elle sait pas qu'il est avec vous, ça fait qu'elle cherche. Où ça? À la station McGill. C'est là que vous l'avez perdu? Non, ici, à la place des arts! Ben, pourquoi est-ce qu'elle cherche là-bas si vous l'avez perdu ici? Ben, c'est parce que... Oh, puis elle est dans mon chien. Allez! Oh, rien comme deux vrais folles. On s'est pas aperçu tout de suite que le petit n'était pas là. Pourtant, dans le métro, il restait assis bien tranquille, au ressamir. Et puis, on s'en allait chez le docteur, ça, on a une piqûre pour maigrir. Puis, oh, je comprends pas comment ça s'est passé. Pourtant, on était là pour checker. Il aurait quand même pas me faire croire qu'il n'y a pas 6 ans fait, cet enfant-là. OK, c'est 6 ans. Mais il est venu au monde au mois de juin. Ça fait qu'il vient juste des avoirs, ces 6 ans. Il va pas encore à l'école. Je me sacre bien des règlements de la ville, moi. Il payera pas dans les autobus. Tant qu'il n'ira pas à l'école, c'est tout. Dites-le donc, j'avais perdu votre correspondance, je ne l'ai pas payé une deuxième fois. C'est pas une deuxième fois, je veux pas qu'il paye, c'est une première fois. Il n'a pas payé au métro Baudry, je vois pas pourquoi tu payerais ici. Mais moi, je partirai pas tant qu'il n'aura pas payé. La compagnie de transport fera pas faillite pour une pièce, bon Dieu. Vous êtes bien zélés. C'est pas des autobus que vous auriez dû embarquer, vous. C'est dans la police. C'est de ma faute aussi. Si j'avais pas été me coller le nez sur le oiseau du poulet, tout ça serait pas arrivé. Oh, faut absolument leur trouver ce petit colombe de la police. C'est pas une police, moi, madame. Je suis gardien de sécurité dans la bijouterie, l'autre bord de la rue. Vous auriez pas pu le dire avant? Sacrement niaiseux! Tigo! Tigo! S'il vous plaît, s'il vous plaît, please, please.
Moi, je vais vous faire un rapport si vous partez pas. Oui, monsieur. Viens, mon père. Veux-tu? La réceptionniste, c'est pas là? Ben non. Le docteur lui a fait prendre sa retraite, puis il l'a remplacé. Par qui? Par une patente à numéro. C'est la patente à numéro qui va faire chlic-chlic avec ma carte de santé, je pense. Ayez pas peur, si elle l'oublie, le docteur va s'en charger. Va jouer dehors, là. Puis reste devant la porte parce qu'il y a bien du trafic sur le boulevard Saint-Joseph, OK? Bye, les filles! Bye! Bye! Mon Dieu! Avez-vous perdu un pain de votre fournée, Mme Cadieux? Non, non, c'est juste que... Mme Thérien n'est pas avec vous? Ben non. Mais non! J'étais avec sa mère, on l'a perdu ensemble! Perdu... ensemble... Ben, où c'est qu'elle est, sa mère? Elle cherche, Véro! Où ça qu'elle cherche? Ben, où c'est qu'elle l'a perdu, cette affaire? Où c'est qu'elle l'a perdu? À Station Place des Arts. Pourquoi vous le cherchez ici, si vous l'avez perdu là-bas, d'abord? Ben, parce qu'il est resté poigné dans le métro. Oui, pourquoi est-ce qu'elle cherche là-bas, elle, s'il est resté poigné dans le métro? Elle le cherche pas, elle m'attend! Moi, je le cherche, puis elle, elle m'attend. Mais vous venez de me dire qu'elle cherche. Ben, vous êtes donc bien épais à vous. Vous comprenez rien quand on vous parle. Non, mais voulez-vous bien me dire aussi qu'ils vont y chercher le police cibole pour tomber sur des épas de même? Tu le parles, là, puis ça te regarde la bouche grande ouverte. C'est bien juste la bave ne coule pas de chaque côté. La première chose qu'ils devraient montrer à ceux qui vont faire des polices, c'est de fermer le grand bouche de niaiseux quand le monde le parle, cibole! Vous êtes en cours dans vos histoires de monstres, là, vous? Voulez-vous que je vous conte les dernières aventures de Frankenstein pour vous changer les idées? Que je vous voie. Sortez plutôt votre jeu de cartes qu'on se pratique avant que les autres arrivent. Étiez-vous la première? Quasiment. Vous l'avez dit la semaine passée que j'arriverais avant tous vous autres, mes Moses. Mais je me serais jamais permis d'arriver avant la reine-mère, par exemple. Qui c'est qui vous a ouvert? La patente à numéro? Qu'elle est folle, ben non! La femme de ménage. C'est qui ça? Des immigrés. Je le vois bien que c'est des immigrés, là. Ils sont habillés comme des gypsies. Je voulais juste savoir s'ils étaient déjà venus ici. C'est la première fois que je les vois, mais en tout cas. C'est des Arabes certains, ça. Je sais pas. Pour se promener avec des voiles sur la tête en pleine chaleur comme ça, ça prend juste du monde de même. En tout cas, j'espère qu'ils sentent moins fort que ceux qui étaient dans l'autobus. Et moi, je me parfume toujours avant de partir le matin. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous vous êtes pas manqué. Les petits juifs tantôt. Tu t'habilles en noir en plein mois d'août, avec leurs deux petites couettes frisantes sur leur caluron. J'avais envie de me mettre à courir après avec une paire de ciseaux. Il paraît que ça fait partie de leur religion, hein? Que quand ils vont mourir, le petit Jésus vienne les tirer par les couettes pour les amener au ciel. Puis ceux qui ont des petits cheveux courts, là, bien peignés, là, puis séparés du côté, où est-ce qu'ils vont aller, eux autres? Dans les limbes.
Pitt, il travaille dans la voirie. Ben, il y a un de ses boss à Pitt. C'est un chic à turban. C'est pas des maudites faces. Quand tu vis au monde dans un pays, le résident verra. J'espère pour vous qu'ils comprennent pas le français. Puis peut-être qu'ils peuvent pas lire les chiffres en français non plus, puis que je vais pouvoir me faufiler dans le bureau du docteur avant eux autres. Gardez donc ma sacoche, je m'en vais aux toilettes. J'ai servi à peu près 50 enfants, moi, depuis ce matin. Alors, pourquoi vous pensez qu'ils seraient rentrés ici tout seuls, ce petit gars-là? Mais parce que je me suis dit qu'il devait bien connaître ça, ce magasin-là, avec les Père Noël, puis le petit train, dans les fêtes. Chocrette, madame, mais je me souviens vraiment pas, moi, d'avoir vu un petit garçon tout seul. La même chose? Dieu, c'est rendu qu'il faut prendre les numéros comme à pâtisserie. T'es tombé du fun, toi. Écoute, quand j'ai vu tes souliers et que t'étais pas dedans, je me suis dit que t'étais peut-être déguisé en femme de l'homme invisible. Pas vrai, Mme Bouillette? Laura fera une bonne femme pour l'homme invisible? Je sais pas, j'ai jamais vu, lui. Ah, ben, regarde donc ça, elle est pas sourde. Je pensais qu'elle était sur les buettes. Là, je le sais qu'elle est pas sourde. La vie est assez triste de même qu'elle me laisserait tranquille, elle. Voyons, ma Bruyette. Oh. S'il s'appelle l'homme invisible, c'est parce qu'on peut pas le voir. Ben oui, pis. Pour ça, niaiseux pareil, de rire pour des niaiseries de même. Ben. Puis, ma Lucille, comment va ton eczéma? Oh, toujours pareil. Pour moi, ça partira jamais. Mais désespère pas. T'en as presque plus d'en face. Non, mais si tu me voyais le dent des oreilles, par exemple. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez, vous deux? T'es à la petite école. C'est même moi qui ai fait sa robe de mariée. T'en rappelles-tu quand ta mère, elle nous avait dit d'accrocher notre chapelet après un corps de linge la veille de tes noces pour qu'il fasse beau le lendemain? Fille, y avait-tu fait beau? Il nous en faisait-tu faire des niaiseries dans ce temps-là? C'était quand même le bon temps. C'était le temps de l'expo. Je m'en vais porter la commande de Mme Larose, là. Bon. Bonjour, Albert. La belle visite. Allô? Qu'est-ce que je peux vous servir de beau aujourd'hui, ma belle Madame Thibodeau? Oh, savez-vous que je suis pas encore décidée? Diriez pas quelque chose de bon à me suggérer pour le souper? Quelque chose de pas trop gras, de savoureux puis juteux en même temps. Mais il faudrait me livrer vers la fin de la journée, par exemple. Parce que là, on s'en va chez le docteur recevoir une piqûre pour maigrir. Ah! Faites pas ça. Tellement beau, des femmes qui ont l'air en santé. Ouais. C'est tranquille ici après-midi. Ouais. Toujours le même à cette heure-là. Surtout avec la chaleur qu'il fait. Même que je pourrais fermer un petit moment. Personne s'en plaindrait. Sylvie? Ici, ma chouette. Va te chercher un beau connaître comment la glace est pas arrivée. Hein? Il prend là deux boules. Oh, puis son régime. Comment ça, demain, son régime? Oh, toi, là. Oh, toi, là. Toi, là, l'amour. Oui.
décidément. J'ai pas de chance cette semaine. Moi non plus. Oh, maudit! Pour moi, la personne que je jouais avant vous a dû ramasser le gros lot. Mm. Mm. Je pense que je vais aller jouer ma dernière pièce, celle-là. Oh, ben non! Non, à votre place, j'irai jouer dans le Midas. Ah oui? Mm. Mm. Parce que je suis trop basse. Mais tu manges même pas, là. Calé, ça y est, c'est trop haut. Oui, oui, merci. Donc, c'est quoi ce film-là? Une vieille vue avec Catherine Deneuve. Elle joue le rôle d'une guédoune, fait le trottoir en calèche. Parce qu'il va donner des coups de fouet d'un château. Quoi? Ben oui, Laura, ça se passe dans l'ancien temps. Ben plate. Je l'aime pas ben ben, Catherine Deneuve, moi. Elle se pense trop belle. Elle l'est aussi. Dans ce genre-là, moi, j'aime mieux Anouk Aimée. C'est celle qui jouait, là, dans Un homme et une femme. Ça, c'est une belle histoire d'amour. C'est pas comme les films d'aujourd'hui, il y a rien que du cul puis de la violence. Hey, vous en rappelez-vous à la fin, là, quand elle se met à courir dans le sable pour tomber dans les bras de celui qu'elle aime? Oh. Moi, j'aurais bien couru un mille à genoux dans la gravelle pour tomber dans les bras du gars qui avait l'autre bout. Hey, Jean-Louis Trintignant, aurait pu? Oh. Moi, c'est la chanson que j'aime. Da-da-da-da-da-b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 a-
Je peux-tu vous aider? Vous avez l'air toute perdue. C'est à cause du petit qui est écarté, là. Oh, pauvre madame. Et faites-le demander au micro. Je peux pas. Je sais pas son nom. Puis il risque de pas comprendre, là, si on l'appelle pas par son petit nom avant son grand nom. D'abord, allez voir la police du magasin. C'est vrai. Ils sont peut-être moins épais que les autres polices. Merci, madame. Aussitôt que je vois un uniforme, là, Uniforme? Mais vous allez chercher longtemps. Il y en a même pas, des vraies polices, dans les grands magasins. Vous voulez dire qu'ils ont rien que des fausses polices déguisées en clientes? Comment je vais faire pour les reconnaître, moi, dans ce cas-là? Bon, juste en faire, moi, une police! Comment ça, une police? J'ai l'air si bête que ça? J'ai pas dit que vous aviez l'air bête. J'ai juste dit que vous aviez l'air d'une police. Ça serait pas vous, par hasard, la police? Essayez pas de faire finir avec moi, ça prend pas, j'ai rien volé. J'ai jamais rien volé de ma vie, puis je commencerai pas aujourd'hui, OK, là? Je vous jure que je suis pas une police! C'est le contraire! Je cherche une police parce que j'ai perdu un petit gars! Puis vous demandez à toutes les clientes s'ils sont des polices au lieu de le chercher? Hey! J'aime pas bien ça faire rire de moi, OK, là? Ça fait qu'une fois pour toutes! Es-tu perdu, cet enfant-là, ou s'il est pas perdu? Mais oui, il est perdu. Il a l'air de quoi, votre petit? Mais c'est pas mon petit à moi! Mais c'est le petit de qui, d'abord? Mais ça fait une demi-heure que j'essaye de vous dire! Hey, alors, vous seriez pas une police qui fait semblant qu'elle a perdu un petit gars pour attraper le monde? Mais c'est rendu qu'il engage des polices actrices à cette heure. Ah, ben j'ai mon voyage! Je me couche. Aussi. Je veux te voir. Babe. Qu'est-ce que tu dis de ça, Lucille? En poche. Donne-moi, donne-moi. OK, prends le petit banane, le plus fort que d'art. OK. Bye, les filles. Bye. Bye. Hey, servez-vous de popcorn, les filles, hein? Il n'y a pas de cholestérol. J'ai un médecin. Je sais pas si c'est bon, ces patentes-là. En tout cas, c'est pas cher. Tout à l'heure, c'était marqué rien que 39 piastres. Par mois? Pendant combien de mois? Ben, ça dépend de la sorte que vous prenez. Bon, ça se fait que tu sais ça, toi. Parce que j'en ai eu une patente de même. Ça s'appelle un Walker. Mais le mien est très dispendieux, par exemple. Ouais, mais Lucille, tu te prives de rien, hein? Ah, on a peut-être des boutons d'en face, mais avec mon Walker, on a le ventre coloré. On sait bien, t'es maigre d'avance. Je regrette un recadu. Je suis pas maigre. Je suis mince. C'est pas pareil. En tout cas, tu viens certainement pas ici pour prendre des piqûres pour maigrir. Arrête donc de me niaiser. Là. C'est bien que j'aille voir le gynécologue parce que j'ai des problèmes avec mes oiseaux verts. Le cas. Voici le cas. Ah, je me couche. Moi aussi. Hey, allez chercher. Je l'ai juste ici dans ma voiture, mon Walker. OK? Fais-nous ça, ma Lucille. De toute façon, nous autres, c'est plus qu'un Walker, ça nous prendrait, Mme Cadieux. C'est de la liposuction. Comment ils font ça, de la liposuction? D'abord, il paraît qu'ils t'en donnent. Puis après, là, il te rentre comme un genre de petite balayeuse dans le nombril là, qui tire tout le gras dans le ventre. Yo! J'en connais une femme qui se l'est fait faire ses cuisses, le petit truc de la balayeuse. Mais ils l'ont pas aspiré égal. Ça y a fait des motons partout. Aïe, aïe! Oh non, ça va pas pantoute. Avec tout ce que je me suis privée de manger, j'ai perdu juste une demi-livre cette semaine. Pour moi, c'est ma balance qui est cassée. Comment ça, ça se peut pas? Maudit verra de bâtard, ça fait bien proche 10 ans que je l'ai, cette balance-là. Mais certain, je l'avais gagnée avec mes coupons Canadian Tire. Hein? Ouais. Oh. C'est bien simple. Quand je pense au beau petit 16 ans que je m'étais acheté pour aller chez le docteur après-midi, pour moi, je rentrerai jamais dedans. Mais comment ça, c'est certain? J'ai quand même le droit de l'essayer, non? C'est une
mais pour y aller aussi la douleur. Téléphone. Oui, allô? Oh, Madame Vavonne? Votre mari? Oui, là, c'est parce que là, il est en train de... Oh, le jackpot! Ah! Oui, ben, je vais vous le passer tout de suite. C'est lui, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, je cherche ma tante Alice. Ah, ben là, elle est dans le bac. Je veux dire, elle est en train de se choisir un morceau de viande. Hé, où est-ce que tu pars comme ça, là? Ma tante? Non, viens. Hein? Tiens. Je vais t'acheter un beau cornet en attendant. Hein? Je viens d'en manger un. Ben, tu t'achèteras une palette de chocolat d'abord, hein? Ça me donne des boutons. Ben, un sac de chips, là. Mon régime? Ben, tu commenceras demain, hein? Bon, tiens. Ah ouais, là, qu'est-ce que t'attends? Bon. Oui, il est pas là, Dédé, Mamba Von. Ben non. Il est parti s'acheter un cornet. Ben, je veux dire, un sac de chips. Ben, à deux boules. À deux boules? Oh, puis fuck de la merde. Allô? Vos batteries sont à terre? Ben, Isabelle, hein? C'est un... Renard du casino! 7 piastres, 10 piastres, 100 piastres, 2 piastres, c'est 1000! Mon grand humidor, c'est un... Renard du casino! 100 piastres, 2 piastres, 10 piastres, c'est 1000! Vavonne a gagné le boulot! Vavonne a gagné le boulot! Merci! À la prochaine! Mais oui, Rose, c'est ce que je fais, moi, entre le verre, mais fait pas plus. Oh, petit verre, un bon temps. Il n'y a pas de justice. Pardon, madame. Si? Vous n'auriez pas vu un petit garçon? Ay, non, señora, no entiendo nada. Usted me podría ayudar. Fíjese que estoy buscando un vestidito para mi sobrina. Me dijeron que aquí lo podía encontrar, pero puros zapatos veo. No me podría decir dónde se encuentra. Bueno, mi marido me dijo, vamos a hacer una gran fiesta, y mi marido me dijo, cómprate algo para ti y algo y para la niña. No encuentro nada, absolutamente nada. Mire, yo pensaba comprarme una cosa que me quedara bien arregladita, sí. Mon Dieu, traînez-vous ça partout où vous allez? Mais non, voyons donc. M'en va que je suis chez ma soeur à soir. Et comme je fais mes exercices à tous les jours... Bon, ben c'est pas compliqué, là. Regardez bien, moi, vous montrer. D'abord, là, tu relaxes. Tu relaxes ton corps totalement. Hein? Ensuite, tu mets un pied ici, tu mets l'autre là. T'appuies ton torse sur le coussin. Tu prends la barre avec les mains et tu balances. Et tu balances. 8, 7, 5, 4, 3, 2. Wouh! 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 Et je fais du ski de porte. Ben, longe-moi avec ça pour faire l'exercice. T'as une chaleur de même. Le seul exercice que je ferais, ça serait de me laisser flotter dans une piscine remplie de glaçons. C'est ça. Eh ouais. Ah, oh, hein. Ouais. Bon. C'est quoi ton régime miracle, là? Encore des affaires qui goûtent rien, je suppose. Je vais pas là!
attends tantôt, Laura Cadieux. Oh, ben là, je mets le balançage, oui, il fait bien trop chaud. As-tu peur? Peur de quoi? Ah, venez donc, Mme Cadieux. Ah, voyez, venez, vous allez voir, c'est le fun. J'ai bien vu ça, hein? Et t'es donc pas gay. Ah oui, viens faire, viens faire. J'irai pour la Mme Brouillard. Oh, viens, oh, oh, franchement, oh, là, va. Oh. Hé, oui. J'ai gagné 5000 piastres, imaginez-vous donc! Oui! Faut dégraisser, boss! Vous venez revenu! Dédé! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, rien. Tu retournes pas travailler? Ben oui, ben oui. Tu t'attends pour y aller? Rien. Ce qui est Dédé? Qui? Mon mari, c'est affaire. Ah, Coudon! T'es donc bien empâté, toi! Oh, toi! Dédé! Dédé! Oh, Dédé! Tabarnak. Je t'ai déjà dit de pas venir ici, te fait trop fret! J'ai gagné 5000! Hein? Un beau 5000 piastres! On va aller au casino d'Atlantic City pour nos vacances, mon loup! T'es pas content? Ah, oui, oui, oui. On fait tout ça, hein? Mais tout de suite, là? Oui, pourquoi pas? Ici? Une petite ville. Oui, ma bonne. Viens, ma bonne, mais prends-tu, toi? Oh, là! Ma bonne, c'est frère, mon poignet, mon coup de mort. Oh, ma bonne. Ah, puis, à part de ça, Madame Lajoie? Ça va être tout pour aujourd'hui. Bye, mon beau Albert. À la prochaine. Eh bien, je te dis qu'elle a du chien, cette femme-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il paraît qu'elle aime les hommes, c'est effrayant. Ben voyons donc. Vous savez bien que c'est juste du mémérage de quartier, ces histoires-là. Ben, je regrette, hein. Ma belle-sœur l'a vue dans un club de gars tout nus la semaine passée. Et il paraît qu'elle se ramasse là au moins une fois par mois. Puis avec la femme du boucher, à part ça. Avec Marwan? Oui. Au go-go boy? Tu gars? Tu gars? Tu gars? Puis-je vous aider? Can I help you? L'heure du lunch est terminée. C'est-à-dire que... Je voudrais savoir si vous auriez pas vu un... Non, hein? Ben non. Les petits garçons viennent pas ici tout seuls, hein? Excusez-moi, madame. C'est peut-être dispendieux, ta bebelle. Mais elle a un défaut. Oh, vous l'avez cassé. Mais non, elle doit être juste dévissée. Combien de livres ça peut supporter une patente de même? Bon, c'est moi qui est trop gros, ça se tère. Ben voyons donc, Mme Cadieux, vous savez bien que c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ben vous l'avez dit pareil. Oh, calme-toi, Laura, là, calme-toi, c'est un accident, c'est tout. Oh. Il est-tu de moi, eux autres, là? Arrête donc de paranoïer. Oh, il y en a une qui s'en va fumer dans les toilettes. On aura tout vu. Hey, c'est ça. Le voile d'en face pis la cigarette au bec. OK, on reprend sa game, les filles? Oh, ben ça me tente plus de jouer aux cartes, là. Moi non plus. Moi non plus. Mais plus tard. On va faire mon jeu de patience, vous connaissez bien? On retourne jouer dehors, toi, puis laisse le grand monde parler tranquille, bout de Christ. En tout cas, depuis qu'ils ont laissé leur uniforme, là, ils font peur, ils se font mêlants.
Quoi qu'elle a eu l'air, Sainte-Thérèse l'enfant Jésus, elle m'enchaîne même, les cheveux tout lichés par en arrière, là. Arrêtez-vous, ça encore, ces images? On dirait que c'est le monde à l'envers. Les femmes se voilent, puis les sœurs se dévoilent. Moi, j'ai pour mon dire que tes sœurs ou ben non, t'es pas sœur. Si on laissait tomber leur voile, là, parce que ça faisait trop ancien, mais qui s'habille comme du monde, bâtard? Puis c'est le bon Dieu qui leur a suggéré de se triquer de même, là. Ben, laissez-moi vous dire qu'il connaît rien aux femmes. Une fois, là, ça fait bien longtemps de ça. Ma fille Madeleine, elle devait avoir 15-16 ans. Elle est allée passer une semaine de vacances chez la cousine de mon mari qui est religieuse. Mais quand elle est revenue chez nous, puis depuis moi, on trouvait qu'elle avait un bien drôle d'air. Ça fait qu'après le souper, Pete demande à Madeleine d'aller au salon avec lui. Oh, les 6 mois de tabarnak de bonne sœur va toutes les tuer, calvaire! Tout le maudit gang! Hey, pendant les vacances, là, ma cousine en a profité pour mettre dans la tête à Madeleine de faire une sœur boutrice! Voyons donc! Mettre dans la tête d'une petite fille que le bon Dieu l'appelle pour sauver les hommes des pauvres pêcheurs, sacrament! Non, mais tu vois-tu notre Madeleine pognée là-dedans, toi, hein? Mais j'aime encore mieux avoir pogné là-dedans, comme tu dis, que de l'avoir embarqué dans une secte. Hey, il paraît que ça commence partout au Québec. Hey, tabarnak de scolis! Arrête donc, ça craint! Pour une fois, là, ça pourrait peut-être aider. Bon, je vais aller essayer de se parler, là, ma belle. Tu es entrée? Es-tu sérieux, cette affaire de sœur, là? Non. T'es bien certaine? Bien certaine. Laisse, maman. J'ai besoin de toi. On est resté de même une bonne demi-heure, puis Madeleine s'est endormie. J'avais le cœur tout croche. Puis c'était le plus beau moment de ma vie. Madeleine n'a jamais reparlé de faire une sœur. Une idée de petite fille de 15 ans, je suppose. Puis des fois, je me demande si Pete puis moi, on l'aurait encouragée. Qu'est-ce qui serait arrivé? Hey, mes deux petits-enfants seraient pas là aujourd'hui. Puis ma fille, elle aurait peut-être l'air une femme aux femmes avec des cheveux là puis des dents jaunes. Je suis sûr que ses dents seraient venues jaunes puis tes soeurs n'auraient pas voulu acheter un dentier. En tout cas, le mieux pas y penser. Laura, ton petit est en train de tout déterrer le jardin du docteur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Un enfant, c'est un enfant. Et puis, un enfant, c'est pas un objet, madame. J'aime ça, moi, encore, me faire niaiser de même. Je le sais qu'un enfant, c'est pas un objet, ça après folle. Puis, allez donc au yob, gang d'épais. Moi, avant que j'en remette les pieds ici, là, un magasin, est-ce qu'on est obligé de voler un poêle électrique avant de trouver une police, là? Puis, mettez-vous là donc dans le cul, vos objets perdus, cibole. Puis, vos femmes police, là, ben, dites-le donc de porter une badge, ben, donc quelque chose, au moins, pour qu'on les reconnaisse. Coke, s'il vous plaît. Diète? Non, classique. J'ai besoin d'un remontant. Ah oh ben, c'est pas la dame au petit gars? Mais dites-moi pas que depuis tout ce temps-là, vous l'avez pas retrouvé. Pauvre madame. Vous savez bien qu'il a dû continuer jusqu'au bout de la ligne, votre petit. À cet âge-là, les enfants, ils aiment ça faire des tours de métro. Allez finir par faire des cauchemars à force de lire des affaires de même, Mme Brouillette. Des cauchemars, Mme Gladys. Je les fais quand je vous regarde.
Puis au fond, on a bien beau faire n'importe quoi, on est tous gros chez nous, cette famille. Alors, Rose, Rose, j'ai pas dit que t'étais si grosse que ça, mais t'es pas petite non plus. Ben, ça paraît moins parce que tu t'habilles lousse. Ben, je t'ai vu cet été en costume de bain, puis laisse-moi dire que c'est une plage, on te manque pas. Femme qu'à Dieu. C'est-tu des bonbons sans sucre, ça? Non, juste un petit peu. OK. Merci. Mais non, je mets de sucre. Madame Gladue, je m'excuse de vous avoir parlé de même tout à l'heure. C'est juste que je suis un peu nerveuse en ce moment. Excusez-moi. Ben voyons donc, même Brouillette, vous savez bien que je pense plus à ça. Encore son mari, je suppose. L'écœur. Moi, tant qu'à être mariée qu'un homme de même, j'aime autant rester tout seul jusqu'à la fin de mes jours. Je comprends donc. Je vous annonce que je me marie. Claude m'a demandé en mariage, puis j'ai dit oui. Tu dis rien? Je vous annonce que je me marie, puis vous, tout ce que vous pouvez avoir, moi, c'est de monter le son de la télévision. C'est correct, dommage, je m'en vais dans cette semaine. Je pensais jamais qu'elle se pognerait un prospect vite de même, Maremonde. C'est ma fille, puis je l'aime bien. Mais je le sais qu'elle n'est pas bien belle. Mais c'est bien pour dire, hein? Elle s'est trouvée un gars aussi laid qu'elle pour la marier. Puis moi, je vais me retrouver toute seule avec mon mari. Hey! Rester tout seul avec lui, qu'est-ce que je vais faire? Puis quand il va sortir pour acheter son 41 ce samedi matin, je vais me renfermer dans ma chambre, c'est tout. S'il veut tout casser, il cassera tout. Et le monde ne sera plus là pour le raisonner. Il ne sera plus là non plus pour faire le souper le mercredi avant que j'arrive de chez le docteur. Vous avez pas pensé venir le mardi soir? Je suis habituée à venir le mercredi après-midi avec vous autres. Je suis habituée à vous autres. Celles du soir, ils n'ont pas l'air pareils. Je pourrais pas me faire de chambre avec elles comme avec vous autres. Ouf. Elle va me manquer, ma remonde. Puis elle n'est pas pensée que je veux seulement garder pour me préserver de lui. Puis le divorce. Dans ma famille, on ne divorce pas. On endure. Et on broye tout seul dans son coin. De toute façon, comme disait ma mère, on vient au monde tout seul, puis on meurt tout seul. Mmh. Une chance qu'entre les deux, il y a les amis. Puis nous autres, n'ayez pas peur. On vous lâchera pas. Oh, jamais. Je le sais. Vous êtes des vrais chums. Là, il y en a pour un petit peu plus que 800 grammes. Bye, Denis! À plus tard! Tu sors encore, là? Tu vas? Je m'en vais me rincer l'œil, mon ange. La main de toi. Oh non! Parce que là où je m'en vais, c'est bien excitant pour les femmes, mais c'est bien ennuyant pour les hommes. Ah! Tadou! Crée, va, bonne. Elle est bien capable d'aller dépenser tout ce qu'elle vient de gagner. Mais là, exagérez pas, boss. C'est 5000 piastres dans... Hmm? On te connaît pas, toi. Quand t'as tombé là-dedans, il n'y a plus moyen de l'arrêter.
Plantez-vous, Mademoiselle Bolduc. Je viens de voir votre prospect au dépanneur. La concluge de la salle d'attente qui arrive. Est-ce qu'on blanchait? Ah, ben, parlez pour vous autres, parce que moi, il m'énerve assez. Là. Moi, il me fait penser à André Beauregard dans Casablanca. Humphrey Bogart, Madame Brouillette. On dit Humphrey Bogart. Il est comme les immigrés, lui. Il va comme été, il porte un chapeau. Mais ça doit être pour avoir l'air shit. Il a juste l'air d'un maudit cave avec ça sa tête en plein mois d'août. Madame, ça? Bonjour, Madame Touchette. Bonjour, Madame Brouillette. Madame Cadieu. Mademoiselle Bolduc. Et puis, mesdames, quoi de neuf? Niaiseux. Ah, oh, pas grand-chose, Monsieur Planchette. Pas grand-chose. Ça fait 10 ans qu'on vient ici de Vera, puis il n'y a jamais rien de changé. Et vous, ça va? C'est fou, ça va? Petite folle. J'ai envie de lui demander si elle a oublié ses 45 ans bien sonnés, la noire. Mais retenez-vous. Ben oui. Ben, qu'elle aurait dit à M. Blanchette qu'elle n'a pas encore 39 ans. Elle est bien capable. Très belle journée, en tout cas. Ah. C'est bien simple, moi. Un homme qui vient voir un gynécologue aussi souvent, je trouve ça bien curieux. Ben, il paraît qu'il connaît le docteur depuis qu'ils sont eux-mêmes, qu'ils ont été connus ensemble, puis tout. C'est Lucille qui le dit. Moi, je le soupçonne d'avoir des maladies de femme, cet homme-là. Je me demande bien quelle sorte de maladie de femme un homme peut avoir. Ben, en tout cas, s'il n'a une, il doit l'avoir, lui. Je suis sûr. Je le trouve un peu trop têteux, puis un peu trop tiré à épingle à mon goût, c'est tout. Ah, puis j'irai pas jusqu'à vous dire que c'est une tapette, là. Mais je voudrais pas que ma vieille chum se fasse enfiloper par un efféminé qui décevrait un coup marié, c'est tout. Des chips? Hein? Ça peut être trop de gras là-dedans. Mais non, ils sont fat free! Merci. Maudit qu'il fâche aujourd'hui. L'air conditionné qui marche pas en plus. C'est sûr qu'avec votre corporance, ça doit pas être facile à supporter cette chaleur-là. La corporance. Je peux pas l'oublier une heure ou deux, oh non. Il y a toujours quelqu'un pour venir me le rappeler. Voyons, Mme Cadieu. Il a peut-être pas fait pour mal faire. Le docteur lui dit que c'est pas de la graisse que je fais. C'est de la rétention d'eau. Mon rein droite marche mal, puis mon corps garde l'eau au lieu de la rejeter. Ça fait qu'il faut que j'aille des piqûres pour me faire pisser, des pelules pour me faire pisser, puis il faut que je boive au moins 4 pintes d'eau par jour pour me faire pisser. Passer sa vie assis sur une balle de toilette, là, c'est pas toujours drôle, vous savez. C'est vrai que c'est pas drôle. En voiture, des fois, là, je me force pour pas me plaindre. Mais si bon. Il y a un moment, là, je peux plus me retenir. De toute façon, Pete s'en aperçoit toujours quand j'en viens en voiture, puis il s'arrête quelque part sur le bord du chemin. Ah oui, la grosse, va tuer quelques fleurs. Je vais pas en tuer bien gros parce que je pisse quasiment rien que de l'eau. Naturellement, je maigris pas. Comment ça? Mais parce qu'en plus, faudrait que je fasse un régime. Je vais essayer d'en faire des régimes. J'ai suivi Scardine, je suis allé chez les voitures, puis tout. Mais.
Ça croit qu'il n'y a pas de bon Dieu pour les gars. T'as beau tout essayer, tu reviens toujours à la même maudite affaire. Le régime, bâtard. C'est pas mal, hein? Faudrait quasiment que Pete vienne me porter quelques petites branches de céleri pendant que je passerai mes grandes journées sur la toilette, Chris. Je suis un être humain, moi, avec. Je fais ce que je peux, mais j'arrive à rien. C'est pas de ma faute. J'ai dû venir au monde pour être grosse. Je vais m'être fait dire toute ma vie que je suis grosse, puis je vais avoir tout essayé ce que je pouvais pour maigrir, puis j'aurais pas réussi. Quand je pense à ça, là, j'ai envie de courir chez Laura Secord, m'acheter 2 livres de chocolat aux cerises, de toutes les manger, puis d'envoyer tout le monde chier! Mais pourquoi vous le faites pas? Mais parce qu'à chaque fois que je pense à ça, je suis nu-pied. Puis tu cours pas nu-pied sur la rue, là, pour t'acheter du chocolat à Laura Secord. Ça fait qu'en attendant, je pisse! Toujours aussi silencieuse, la mystérieuse Madame Touchette. Hey, j'ai envie d'aller m'asseoir à sa place. Juste pour voir ce qu'elle fera en revenant des toilettes. Il n'y a jamais personne qui a osé faire ça avant. Ça, c'est drôle pareil. Nous sommes du bon l'air. Vous mal aux pieds, Mme Cadieux? Non, non, j'ai le fessier engourdi. Excusez-moi. Il n'y a pas de réceptionniste ici? Non, le docteur a décidé de la remplacer par une patente à numéro. On attend-tu longtemps quand on vient ici? C'est parce que... Je suis enceinte, hein? Une chance qu'elle nous l'a dit. C'est des jumeaux que j'attends. Ouais. J'attends des jumeaux, puis je suis veuve. J'espère que vous n'allez pas nous dire que vous êtes veuve depuis 2 ans. Non, parce qu'on a été obligé de croire que c'était par l'opération du Saint-Esprit. Monsieur Blanchette! Non, non, c'est bel et bien de mon mari. Ben, avant qu'il meure, là. Naturellement. Oh, ben, lâche-moi, doigt de satin, toi. J'en ai acheté une fois, puis Henri puis moi, on passait notre temps à se croyer dans le lit. Avec des fleurs? Ben, non. Non, j'en achète plus, des draps fleuris. Ça donne mal à la tête à Henri quand il dort. Ben, faut que je te laisse, là. Hein, mon Dieu. Il est bien trop tard pour aller chez le docteur. C'est quasiment le temps du souper, Véra. Il était dans la construction, mon mari. Ouais. Puis il est mort. C'est à cause d'une nouvelle sorte de gun à clous là, que personne connaissait. Les gars avaient pris quelques bières de trop là, sur l'heure du dîner, puis mon mari, ben fanfaron, ça a l'air qu'il leur a dit, ça doit pas être si bon que ça, cette sorte de gun à clous là. Et il est allé se placer à une dizaine de pieds, là, avec une planche dans les mains. Puis il y a un gars qui vous dit... Ben, le clou, il a traversé la planche bord en bord, puis il est allé se planter direct dans le front de mon mari. Oh, hey, allez chier! Vite, vite, faites ça de l'air, là! Ça va mieux, là, excusez-moi. C'est correct, je suis correct, là, oui. Excusez-moi. C'est drôle, hein? À chaque fois que je raconte cette histoire-là, il y a toujours quelqu'un qui perd connaissance. Excusez-moi, madame, si j'avais su. J'en aurais mis 2 fois plus, je suppose. Ben voyons. Il est mort d'un clou dans le cerveau.
T'as toujours bien pas pour vous dire qu'il était mort d'avoir reçu un bec sur le front? Moi aussi, j'ai voulu mourir. J'ai pris des pilules, puis... Ça n'a pas marché? Non. C'était pas bonne. Faut dire que... Comment voulez-vous oublier ça, hein? Une belle pièce d'homme de même. Des fois, le soir, là, il se mettait en bobette debout de son lit, puis... Il faisait grouiller ses muscles. Oh. C'était assez excitant, là. Le corps, le corps. Si je m'étais arrêté à ça, moi, le corps, je l'aurais pas marié, Pete. N'empêche que... Ça doit être le fun pareil de toucher à ça rien qu'une fois. Coudon, le party tombe. Ben oui, mets-nous donc de la musique. Oh oui, Radio Nostalgie ou FM. Hey, hey. Salut. À chaque fois que j'entends cette musique-là, ça me rappelle ton père. Envoyez ma brouillère. Vous montrez comment il danserait, mon père. Envoyez, envoyez. Cette danse. En plus, maudit voleur! Il va vous rapporter au CLSC, moi! CRTC! Ah, t'es cool! Il va vous rapporter! Bandit, quand même, un bout de tout! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es-tu envenu tout seul ici? Non, ça se peut pas. Qui est venu te reconduire? Pis ta mère qui doit te promener toute la police de Montréal après toi et ta porte! Arrive, Anna! Ah oui! Arrive! Oh, mon petit bonjour, je vais te le montrer! Ah oui! Marche par là! Pas savoir ce qui est arrivé. Figurez-vous que j'ai cherché le petit toute la maudite après-midi avant de décider de prendre un taxi pour m'emmener ici. Mais oui, imaginez-vous donc un taxi du parc en Grignon ici. Un taxi, là. Puis au moment où je débarque, c'est que je vois-tu pas? Le petit! Je pensais que j'avais des hallucinations, c'est pas mal, hein? Pauvre Mme Cadieux qui doit être après se morfondre au poste de police pendant que le petit maudit s'amuse avec des vieux bonbons de popsicle devant la porte. Mais c'est une bonne volée qui mériterait cet enfant-là. Une bonne volée, ses fesses! Mais voyons donc, t'aurais pu venir le dire au moins aux madames que t'étais là.
suis rendue à bout, moi. Oh, madame, t'es rien. Mais venez vous asseoir, là. Calmez-vous un peu. De quoi est-ce que vous parlez, là, madame Thérien? Oh, je sais plus par où commencer, là. Il est tellement arrivé d'affaires. Je sais même pas si je pourrais me rappeler de tout. Envoie-toi! Pas retourner dans la boîte, là! En attendant que je reprenne mes sens et que j'essaye de rejoindre ta mère, pour lui dire que je t'ai retrouvé. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, là. C'est pourtant pas compliqué. Quand on l'a perdu dans le métro, je me suis dit que le petit, il avait beau être petit, il pensera pareil débarquer à la prochaine station. Fait que là, j'ai décidé d'y aller, puis de le chercher. T'es en criant, le tigol, tigol! Mais pourquoi vous l'appeliez pas par son petit nom? Parce que je m'en souvenais plus de son petit nom, c'est bien simple. Puis j'avais peur qu'il comprenne pas. Si je faisais demander au micro, là, le petit gars de Mme Gadieu a demandé. Oh! Non, je veux pas dire qu'il est pas intelligent, son petit, là. Hein? Je veux juste dire qu'il est petit. Et au bout d'un moment, je me suis dit que ça ne servait plus à rien. Que s'il y avait à mourir, il serait déjà mort. Fait que là, prends un taxi pour m'emmener ici. Hey, ça m'a coûté 24,90 $ hein, de taxi, moi, là. C'est écœurant, hein? 24,90 $! Bon, faut appeler la police, là. Faut qu'elle prévienne ce pauvre Mme Cadieu. Mais pourquoi appeler la police? Mme Cadieu et son petit ont été ici tout l'après-midi. Si c'est un tour, je vous le dis tout de suite, le Rocadieu. Je vous étripe. C'est ça, hein? C'est un tour? C'est vrai que le petit Pimo, on était ici toute l'après-midi. Vous voulez dire que j'ai tout fait ça pour rien? Puis il est même pas mort, le petit tabarnak! Où c'est qu'il est, le petit sacrement? Que je vous tue, toi et deux! Voyons, Mme Thérien, prenez sur vous, là. Mais moi, je trouve qu'elle a bien raison. Mêlez-vous donc vos affaires, ou ça vous regarde pas! Mais ça nous regarde certain! Et ça a du bon sans traiter le monde de même! Oh, pauvre Madame Thérien! T'en es pas vantée, hein, Laura? Oh non, chier, toi. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Non, mais je te connais! Oh, ben ça, c'est pas vrai, oh! Par exemple. Mme Cadieu est pas comme ça. Ou pas que vous en savez, vous? À part la voir ici une fois par semaine, hein? Et vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici une fois par semaine? Vous êtes même pas grosse. Moi, vous le dis, vous, ce qu'elle vient faire ici une fois par semaine. Elle vient se pommer sur le faux frais que ça soit à côté d'elle. Tu devrais apprendre de parler même de M. Sidney. J'espère que tu vas faire des excuses. Marre d'être soigné? Oui, excuse. Ouais. Va t'en faire des excuses. Puis ouais. Ça pue. T'es rien qu'une maudite langue sale, là, que tu. Puis toi, t'es rien qu'une têteuse. Ça suffit. Ah ben bon Dieu, elle n'est pas muette. On se croirait dans une basse-cour. Aussi, je vous prierai d'arrêter tout de suite ces grossièretés. Essayez d'avoir un peu de respect. Pour l'endroit où vous êtes. Respect de quoi? On n'est pas dans une église, calvaire! Je chicanerai tant que je voudrais. Et ça, madame la péteuse, c'est pas de vos affaires. Non, certain. As-tu déjà vu ça? Serais-tu jalouse parce qu'on a du fun toute la gang ensemble? C'est à elle à se mêler à nous autres, c'est tout. Au lieu de rester pognée dans son coin comme un pot de chambre. Un docteur, on n'est pas obligé d'attendre ça comme on attend les derniers sacrements, vierge! Mme Thérien. Je vous pensais à mon ami, le Rocadieu. Mais je le suis, votre ami, Mme Thérien. Avec des amis de même, on n'a pas besoin d'ennemis. Prenez-les pas comme ça, Mme Thérien, voyons! Mme Thérien! Oh, Mme Cadieu, attendez, vous suivez! Laissez-moi, moi, vous expliquer ce qui est arrivé! Oh, ça va, la vie de bien, ça va, allez-vous! Bon, si vous avez le rhume, si vous avez bien pu poigner ça d'une chaleur pareille. Je le sais bien pas, hein? Achou! Madame Thérien, là, prenez sur vous, là! Calmez-vous, puis... Oh, chez moi, j'ai dit! Vous m'avez laissé faire une folle de moi devant tout le monde, puis je vous le pardonnerai jamais! Mais comprenez donc, là, que j'ai pas pu résister au plaisir de vous entendre compter votre histoire, que... Je pense que j'ai failli retourner à l'asile, mais non, en prison pour rien! N'exagérez pas, là!
Là, vous en donnez toujours plus que le client en demande. J'ai fait une folle de moi devant tout le monde toute l'après-midi pour rien, pendant que vous vous prélassiez comme une grosse chatte angora dans l'air conditionné. Ça marche même pas, l'air conditionné, sur le docteur. Ben bon! C'est bien simple, là, je vous en veux assez, là, je vous le dis, je vous pardonnerai jamais. Voyons, qu'est-ce que vous faites là? Va, va chez nous! Je vais te piquer! Il va être trop tard, reste là! Ben non, envoyez, venez! Venez! Je vais vous passer mon tour! Oui, je veux bien savoir de votre tour, Laura Cadieu. Puis je veux bien savoir de vous. Ben, dites donc pas ça, là! Envoyez, venez! Dis donc, elle embarque-tu ou pas donc elle embarque pas? Elle embarque pas, calvaire! C'est clair? Bon, Astor, calmez-vous, là! Taxi! Taxi! Mais là, on fait... Oui! Pas mal, vous m'avez écouté, là! Lui! Bon, écoutez bien, donnez-moi 2 minutes, là, et vous allez tout comprendre, OK? Quand j'ai aperçu le petit, d'autre côté, sous le quai, hey, c'est parce que là, il a fait l'aller-retour dans le métro. Tu sais, quand je l'ai... Ouais, c'était du mal, ça, madame. Je vous dis qu'il était équipé pour veiller tard, votre pitou. Hey, les filles, le docteur arrive. C'est pas trop tôt. Madame Touchette. Ouais, il est pressé de faire la job, hein? Excusez-moi. Franchement, Madame Thibodeau, devant un homme, hein? Un homme, ça, arrêtez-moi pas le sang, il sent le cure à 25 pieds. S'il faisait une fois de temps en temps, au lieu de rougir quand on en parle, il aurait l'air moins constipé, hein? Oh, wow! Attention, ils sont là! Venez, Mme Terrien. Venez vous asseoir. Vous devez être bien fatigué, là. Je m'excuse, Lucille, pour tout à l'heure. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Puis tu sais, je me serais pas garoché sur toi, hein? J'ai pas envie de rentrer chez nous avec un tricot planté dans le dos! C'est ailleurs que je te serais planté mes aiguilles, ma grosse Laura. Moi, mon mari s'est mis à engraisser comme un cochon d'eau douce. Fait que c'est devenu plus compliqué, vous comprenez? Bédaine contre bédaine, on avait de la misère à se retrouver des fois. Mme Thibodeau est en train de faire connaissance avec Mme Tardif. Quand elle fait connaissance avec quelqu'un, ça veut dire qu'elle raconte ses histoires de cul avec son mari. Ou avec le laitier. Ou le boucher. Ou le gars musclé. Qui? Personne. Puis, Mme Thérien, vous, là, le sexe, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis trop fatiguée pour penser. Ailleurs, là. Ouais, ben, Astor, c'est moi qui l'ai sur le dos. Ah, votre mari doit en vendre du steak haché pour vous payer ça, hein? Non, tu as gagné le gros lot. Le jackpot, ma belle Lucille. J'ai gagné le jackpot. Ouais! Eh bien, Madame Vauvonne, comme disent les Français, vous avez une veine de cocu. Une chance que mon dédé me demande son anane quasiment tous les soirs. Une chance, hein, ma petite Bodeau? Bon, ben, on joue aux cartes, les girls? Oh, ben, lâche-moi les cartes pour aujourd'hui, là, puis oubliez le docteur. Je vous invite tout le monde au restaurant. Puis ce soir, là, on a le droit de manger tout ce qu'on veut. Comme ça, vous me cédez tout votre tour, mesdames. Oh. Vous venez avec nous autres, tu Blanchette? Après tout, vous faites partie de la gang de femmes, vous aussi. Oh, va voir! De la gang tout court. Oui. Ben, j'irai vous rejoindre aussitôt que j'aurai vu le docteur, Madame Vauvonne. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, Alice, regarde-la donc, elle est encore partie de chez eux à moitié habillée. Bon! Bon,
Mais et venez-vous-en, là, Madame Tardif, hein? Venez-vous-en. Wow. OK. Deux piwi daiquiri, un pina colada, deux haku coconut. Un bolo, deux volcano, un mai tai, un royal fantasy, un coco loco. Un ping dragon, un margarita, un jus de pomme pour le petit garçon. Deux fouillang aux crevettes, deux poulets sougaï, un bœuf au jardin tiki, un bel émiki, deux bobos plateuses. Un riz vapeur, pas de sucre, pas de sel pour mademoiselle. Un chamin au poulet, une brochette de poulet à l'ananas, deux cuisses de grenouille à la cantonaise, un chop suey au porc. Un chamin à la cantonaise, deux bœufs au piment vert, une entrecôte à l'ananas, des biscuits chinois pour tout le monde. Ah oui, un riz frit aux crevettes. Un chili tempeh, puis des ailes de poulet pour tout le monde. Ah! Oh, ben c'est le bout de la belle Germaine qui vient souper ici. Ah ben, je suis devenue mon tour. T'arrives juste à temps de commander. Prends quelque chose de cher. C'est pas bonne qui paye. Ben oui, il paraît qu'elle a gagné le gros lot. Ça a l'air. Apportez-moi un drink avec de la boucane dedans. Bien. Ça vaut la peine de nous snobber pour nous faire la waitress, c'est ça? C'est drôle. Je rêve-tu? Ben non. C'est belle. Oh, merci. Oh, oui, je... Ça fait que là, le petit clitoris dit à l'autre clitoris, j'ai entendu parler que tu jouis plus. L'autre dit, ça doit être des mauvaises langues. Pour finir la soirée, je vous amène toutes voir les Go-Go Boys, les filles! Oh, ta fouille! On va aller voir d'autres bisounes que celles de notre mari. Je suis jamais rentrée là-dedans, moi. Ça prend juste une première fois. Après, tu vas voir, ton char devient comme le cheval qui retourne à l'écurie. Il te conduit là tout seul. Vous, M. Blanchard, je sais pas que ça vous intéresse pas de voir des gars tout nus, mais... Ben, ça m'amuserait assez d'aller dans un endroit pareil. Oh, mais ça, ouais. Voyez, on y va! Ça vous sent pas de venir avec nous autres, les filles? Oh, merci, Bobonne, pour tout mon mari matin. Mais... Ça ne dit rien? Moi, ici. Bon, ben, à la semaine prochaine, c'est le docteur, les filles! Ben, moi, là, je suis juste à côté dans le parking. Il n'y a pas de problème. Hey, je pourrais embarquer M. Blanchet. Hein? J'ai de la place pour trois. Oh, ben, non, thank you.
Viens-t'en, que je te dis. Ah ouais, maman, viens-t'en. Yeah! Yahoo! Yeah! 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 Venez, Mme Cadieux. Venez. Ah ouais, maman, viens-t'en. Donnez-moi la main, là. Vous allez voir, ça va bien aller. Envoyez. Viens. Ah oui. Pire. C'est pas si pire que ça. Hein? Ben non. Je suis folle. Mais coudonc, il s'appelle comment, votre petit? Mais un bonjour en plein midi ou bien un soir après minuit, vous me verrez dans ma robe neuve, aussi mince que Catherine Deneuve. Les cheveux longs, la robe courte, au fond des yeux, plus aucun doute. L'air de vous dire, regarde-moi, Laura Cadieux fait plus son poids. C'est pas possible, ça se peut pas. Vous direz plus, c'est donc dommage. Vous rirez plus de mon gros ventre, plus de mon cœur qui était trop tendre. Vous rirez plus parce que Laura, comme une belle chatte en bois, après des mois, puis des années, pourra enfin se pavaner. C'est pas possible. Ça se peut pas, un bébé. Hier encore, t'es grosse, pas elle. Regardez-la aujourd'hui, elle se promène, elle sillonne le quartier comme une reine. C'est pas possible, ça se peut pas.